Mes chers compatriotes, c'est le moment de faire le point. Crise économique, inflation, chaos social, inégalité, corruption et trahison des élites. La France telle que tu l'as lue dans tes cours d'histoire n'est plus. Aujourd'hui, tu le sens, elle est au bord de l'implosion. Ce que je vais te délivrer aujourd'hui est un essai. Un essai brutal, mental et viscéral. Aujourd'hui, je ne serai pas chaleur, je serai froid et glacé. Je ne serai pas là pour te réconforter et te chuchoter des mots doux. Je suis là pour te faire questionner, pour te faire réfléchir et pour te faire douter. Je suis ta faille, ta mauvaise nouvelle. Parce qu'il est temps de voir la vérité en face et il est temps d'ouvrir les yeux. Et je suis là pour te dire que ce malaise que tu ressens n'est pas un accident. Ce n'est pas un sentiment isolé, c'est le reflet d'une réalité qui te dépasse, qui nous dépasse tous. Tu sens que rien n'est plus comme avant, que le monde est décadent et il faut recentrer le sujet parce que tu te sens dépassé. Comme si tu étais juste un pion sur un échiquier, déplacé au gré des caprices d'un joueur invisible. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, rien ne va, tout t'énerve, tout t'ennuie, tu te questionnes sur le sens de la vie, tu ne sais pas où la société se dirige, et toi avec. C'est un moment étrange, une accalmie. Tu as l'impression que tout tourne au ralenti, mais que tout va toujours plus vite. Un mal-être, une sensation de manquer. Mais manquer de quoi? De liberté? De bouger, de voyager, un manque d'argent, un manque de temps, un manque de sens dans la vie, de ne pas savoir quoi faire demain. Tu ne te sens peut-être pas épanoui, heureux ou joyeux. Tu as pourtant tout pour être heureux. Tu peux manger ce que tu veux, tu as la technologie, tu peux communiquer avec un petit objet, tu as tout pour dormir, tu peux te laver. Peut-être que tu es trop matérialiste, mais depuis quand? Depuis quand sentons-nous ce malaise? Depuis quand la vie est devenue si étrange? Depuis quand ce monde a pris pour devise la folie? Et je suppose que dans cette intro, tu n'as pas vu ton ennemi. Sais-tu qui il est? Parce que depuis le début de tout, ça a toujours été une question de contrôle. Je ne t'apprends rien en disant que l'humain désire le pouvoir. Le pouvoir est la source de tout, de pouvoir faire ce que tu veux, et pour obtenir le pouvoir, tu cherches le contrôle. Le désir de contrôler est ce qui a causé les guerres. Le désir de contrôler est humain. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ainsi vient le désir de contrôler absolument, et c'est ce qui a causé les guerres, les crises, l'émergence des régimes dictatoriaux, etc. Le contrôle pour imposer ses idées, et aujourd'hui, rien ne change. C'est encore et toujours ce désir de contrôler qui devrait t'inquiéter. C'est un secret pour personne qu'il y ait une élite de technocrates, du riches de politiciens qui se sentent empris d'une mission presque divine qui est de mettre l'humanité sur le droit chemin. On ne peut pas nier que certains font de bonnes actions. Cependant, dans leur désir philanthropique, ils arrivent toujours à la même conclusion. Pour aider le plus possible l'humanité, il faut la contrôler. Contrôler là où elle va aller. L'idée d'avoir immensément de pouvoir les attire. Et ce n'est pas pour le mieux des peuples, car aujourd'hui, celui-ci veut empiéter sur tes libertés individuelles. Comme ils disent, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Heureux de manger des insectes, car elles contrôlent l'approvisionnement alimentaire et que la viande sera trop polluante. Donc il faudra enlever l'accès aux pauvres, comme ça les ultra riches pourront la déguster. Heureux d'être entouré de caméras, d'avoir un crédit social qui détermine si tu es un bon citoyen, si tu sors bien tes poubelles, que tu ne payes pas ton loyer en retard, tu seras en sécurité au moins. Heureux d'être relégué au rang de simple consommateur qui passe ses journées sur les écrans à boire la soupe idéologique qu'il te sert ou de cracher dans cette même soupe mais sans rien faire. Heureux de vivre dans cet univers virtuel, ce métaverse qui permettra à la personne moyenne qui n'a presque rien de ce qu'elle veut de ressentir la sensation d'avoir, même artificielle. Et même si tu ne veux pas rentrer dans le métaverse, tu remarqueras très vite quelque chose, que tu passes chaque jour à lutter pour payer le loyer, les factures, les dettes, que les prix augmentent, que les impôts augmentent, que tes revenus stagnent. Tu passeras tes journées dans les transports en public bondés, tu te retrouves coincé dans les bouchons avec tout le monde quand tu veux partir en vacances, avec juste assez d'énergie pour rentrer chez toi en fin de journée et te reposer en regardant des divertissements médiocres. Et quand plus rien ne va et qu'on a perdu sens dans sa vie, on retourne à notre condition d'animal. Tu vas chercher le plaisir immédiat, à te sentir bien tout de suite. Et ces pics de dopamine artificielle seront tellement agréables qu'ils t'empêcheront de visualiser le futur, de visualiser des choses bien pour toi. Pourtant, notre république n'a pas été créée sous cette idée de contrôler sa population de manière civile. Dans cette situation, la France a peu à peu cédé ses devoirs et ses responsabilités à des entités plus grandes, le World Economic Forum ou même l'Union Européenne qui contrôle aujourd'hui notre économie avec la BCE, agit directement sur les flux migratoires, sur notre système des retraites et sur comment doit évoluer la France. La France est aujourd'hui un simple résidu du passé mélangé avec tous les autres pays du vieux continent. Alors maintenant, notre pays qu'en est-il? Article 16 de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Seulement, cela fait bien longtemps que cela n'existe plus. Soyons honnêtes, nous sommes divisés. Deux camps opposés se sont formés et ne peuvent pas être réconciliés, progressistes et conservateurs. Plus le mouvement progressiste prend de l'ampleur, plus les conservateurs aussi. Mais que tu sois l'un ou l'autre, ça ne change rien, car tu as en face de toi l'État. L'État français n'est plus ce qu'il était censé être, et tu lui as tout concédé et il prend les pleins pouvoirs. Il taxe tout, te prend la moitié, plus la TVA sur chaque transaction, plus les impôts sur le revenu, plus quelques centaines de taxes et d'impôts en plus. Près de 50% du PIB revient entre ses mains, un euro produit sur deux. Il n'en a jamais eu autant et ça ne lui suffit toujours pas. S'il était un homme, il serait en prison, tellement ses dettes et ses escroqueries sont monstrueuses. Mais ce n'est pas un homme, mais une entité. Et l'argent qu'il dépense sans fin, c'est le tien. Les plans de relance, les aides sociales, les dépenses toujours plus grandes, tu es heureux, c'est toi qui les payes. Je ne le vois pas car c'est normal, depuis que tu
tu es né, ça se passe comme ça. Pour toi, ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. Il t'a habitué à considérer ta captivité comme normale, ses rançons comme nécessaires, et bravo, tu as en face de toi ton proxénète, celui qui détient ton corps, ton esprit, ton temps et ton énergie. Ces dettes ne font que monter, et tu te demanderas comment cela finira. La réponse est très simple. Par toi. Comme ces impôts ne suffisent pas, ils s'endettent pour voler toi et tes enfants. Et comme ça ne suffit toujours pas, il autorise les banques à imprimer des billets sous forme de crédit pour renflouer, s'engraisser et négocier avec les grandes fortunes. Si les banques font faillite, l'État volera à son secours, comme avec les banques SVB en Amérique cette année. Si ça ne suffit toujours pas, les banques centrales fabriqueront quelques centaines de milliards supplémentaires pour sauver le système. Ça ne s'arrête plus depuis 2008. Le marché est accro à cette drogue. Il y a juste un problème, quand tu fabriques de la monnaie, elle ne vaut plus rien. Et c'est ce qu'il se passe. La planche à billets détruit peu à peu la valeur de l'argent, entraîne une inflation qui a condamné tes parents depuis les années 70 pour te toucher à ton tour. Ça veut dire que tout est toujours plus cher, tout deviendra plus cher, et malgré une hausse continue de la productivité, ton salaire restera toujours misère. L'immobilier est en bordel, si tu es propriétaire, tu te fais défoncer par les lois et les taxes que l'État ajoute sans cesse. Ils souhaitent même la mort du secteur. Voici comment l'immobilier a monté brutalement depuis les années 70, voici comment ton salaire a monté misérablement depuis les années 70. Tes parents pouvaient acheter un domaine, c'est à peine si tu peux louer un 50 mètres carrés. Si tu es locataire, tu es destiné à ne pas trouver de logement à des prix décents dans les grandes villes. Ton emploi ne t'offre même plus la sécurité, tu peux à tout moment être l'un des 300 millions d'emplois qui va être remplacé par l'IA. Soit tu ne trouves rien, soit un emploi qui ne te plaît pas, soit un emploi qui te plaît mais qui est mal payé, ou alors tu auras peut-être la chance d'avoir un travail qui te plaît bien et qui est plutôt bien payé. Aujourd'hui, c'est devenu normal de s'endetter, d'accorder à l'État le pouvoir de décider. Et en prime, l'immobilier continue de monter parce que l'emprunt ne vaut plus rien. Dévaluer la monnaie, ça veut dire détruire la valeur de ton salaire, de ton épargne, de ton travail, de ton pays, de ton héritage. L'État ne produit rien. Il vit des richesses produites. Tu crois qu'il te sert, mais c'est lui qui se sert. Tu peux acheter moins de choses avec ton argent aujourd'hui que tes parents le pouvaient. Son appétit est insatiable. Tu as 20 ans, tu lui donneras tes 40 prochaines années et ton énergie pour qu'il t'accorde 10 ans de retraite mal payée. La sécurité sociale gratuite, l'école gratuite, tu entends ces fables ? Tu les crois vraies alors que tu n'as jamais autant payé pour des professeurs et des fermiers qui n'ont jamais été aussi maltraités. La solidarité, la protection, l'équité, tout cela n'est que poudre aux yeux, destiné à te faire accepter l'inacceptable. Et pendant que tu te nourris dans l'indignation, avec un peuple qui réclame de plus en plus d'aide de l'État, lui, pendant ce temps, peut continuer d'étendre son contrôle et sa domination. Tout dans cette société veut te déresponsabiliser. Tu en viens même à ne plus savoir manier un couteau et cuisiner pour te ruer sur les plats préparés. Perds ton autonomie et attends l'État providentiel. À partir de quand as-tu cédé les pleins pouvoirs sur ta retraite et ton avenir dans une entité à laquelle tu ne fais même pas confiance? Et avec de si grands gagnants, il faut bien de grands perdants. Il te prend tout, te rend un bulletin de vote et tu trouves ça juste, le droit de choisir entre plus d'État, encore un peu plus d'État, beaucoup plus d'État. Voilà ton pouvoir, un choix qui n'en est pas un, voilà ta souveraineté. Tu as cru que l'égal était synonyme de légitime, et il est acquis que l'État peut et doit te sauver. Même si tu sens que ça ne peut pas durer, tu veux croire aux solutions miraculeuses, au bon soudain génie d'un homme providentiel venant de cette classe politique qui échoue constamment depuis des décennies. Pour ta défense, tu n'as jamais connu la liberté. Tu es né en captivité, sous matricule, inoffensif, ignorant, rendu dangereusement idiot par l'éducation nationale, les médias, le divertissement, la consommation, la publicité et peut-être même quelques années à l'université. Et tu matriculeras tes enfants, tu les élèveras dans les valeurs universelles qui font de lui ton maître et qui fait de la vraie liberté une hérésie. Je ne sais pas à quel point tu mesures qu'il tient ta vie. Tu n'es pas libre et tu l'es nettement moins qu'un cerf du Moyen-Âge. Tu sais ce qu'est un cerf? Un paysan au service de son seigneur qui ne peut ni se marier ni hériter sans l'accord de son seigneur. Ah oui, parce que les paysans d'il y a 500 ans étaient moins taxés et pour plus de sécurité et de liberté. Il connaît ton nom, tes amis, tes partenaires, la surface de ta maison. C'est lui qui règle tes heures, tes droits. Il a accès à ton compte, ton historique. Il connaît tes consommations jusqu'au détail de ta feuille d'imposition. Son nom est administration. Il sait où tu es, où tu vas, ce que tu fais. Peut-être que tu veux te persuader que ce n'est pas si grave, qu'au fond tu n'as rien à te reprocher. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur, proclames-tu. Autant sortir nu dans la rue, ça ira plus vite. Et si tu attends d'avoir quelque chose à cacher pour t'en préoccuper, ça veut dire qu'il est déjà trop tard. En réalité, tu n'as même plus conscience de ta condition tellement tu y es habitué. Et si tu étais honnête, l'État devrait t'inquiéter plus que quiconque. C'est l'honnête homme qui subit toujours en silence l'idéologie, l'injustice, le fisc, le squat, l'insécurité, la bureaucratie, le patron toxique, la culpabilité sociale et raciale, l'interdiction de s'armer et l'interdiction de la légitime défense. Et c'est lui qui paye, toujours. Et le jour où cette administration aura quelque chose à te reprocher, tu comprendras ta douleur. Il est la loi. Tu veux t'y opposer ?
tu ne peux pas. Il a tout pouvoir sur toi. Il peut faire ce qu'il veut de tes biens, de ta réputation. Il peut te traîner dans la boue, te retirer ton argent, ton entreprise, ta maison. Il peut te prendre tes enfants, c'est légal. Tu risques tout face à lui, et lui, que risque-t-il ? Une amende. Qu'il payera avec l'argent public, donc le tien. La boucle est bouclée. Les élus sont à lui, les médias sont à lui. Son parlement vote la loi. La justice est si indépendante qu'elle a son ministère. Tu crois encore que la loi t'appartient ? Il y a des sauvages plein les rues, qui se massacrent entre eux, trafiquent, volent, violent et tabassent le citoyen. Contre eux, plus aucune loi n'est appliquée, ni aucune peine effectuée. L'accusé est maintenant la victime et la société le coupable. Tu appelles ça justice ? Des violeurs et des assassins qui ont commis les pires crimes de ces dernières décennies ne subissent qu'un dixième que ce que prévoit réellement la loi. Et toi, tu es condamné à les croiser. Parce que tu crois que l'État te désarme et t'interdit de te défendre pour te protéger ? Les Chinois peuvent construire un hôpital en 10 jours. Et la France, en 40 ans, n'a jamais été capable de remettre en place son système carcéral. Mais tout va bien. En vérité, ton insécurité lui est favorable. Plus tu te sens en danger, plus tu chercheras en lui un protecteur. Tu le croiras encore. Il t'expliquera qu'il n'a pas assez de pouvoir et de moyens, qu'il faudrait restreindre un peu plus tes libertés pour te donner l'illusion de sécurité. Des caméras de surveillance partout pour ensuite avoir un crédit social. C'est bien finalement, non ? Tout est présenté comme un simple outil pour promouvoir un comportement responsable ou désirable. On te dit que c'est pour le bien commun, pour la sécurité de tous. Mais ce n'est pas plutôt un moyen subtil de classer, de récompenser et de punir, une manière insidieuse de contrôler ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses, une guillotine suspendue au-dessus de ta tête, prête à te décapiter si tu dépasses les limites de ce qu'ils ont défini. Ils commencent déjà par te faire peur, te dire que tu as ta responsabilité. En 2020, c'était la pandémie, aujourd'hui, c'est l'écologie. Ensuite, il va t'immatriculer, te taxer encore plus et te retirer le fruit de ton travail. Nous avons commencé à le faire avec le carbon score qui est prévu par la loi climat et résilience. Il faut avoir un instrument d'étiquetage carbone et dans l'idéal, il faudrait l'avoir au niveau européen. En franco-français, on aura dès l'année prochaine, on commencera sur les textiles, on va ensuite généraliser à l'alimentation. Ce carbon score, l'affichage environnemental, c'est une très bonne chose parce que le consommateur, citoyen, c'est un levier de changement. Et c'est ce qui permet aussi de valoriser des industriels et des producteurs français et européens qui font l'effort et de permettre aux consommateurs de dire ok, là le carbon score ou l'affichage environnemental est très mauvais parce que c'est un produit qui certes est là mais vient du bout du monde. On doit avoir cette politique européenne, il faut l'étiquetage carbone et environnemental au niveau européen. On doit mener cette bataille et les clés pour être cohérent. T'imagines travailler jusqu'à ta retraite pour ensuite pouvoir profiter à manger des côtes de bœuf sur les plages de la Grande Motte. Mais parti comme c'est parti, à ce moment-là tu devras payer une taxe carbone pour le trajet, une taxe en plus pour la côte, une taxe en plus pour l'essence, une taxe en plus pour ton séjour. En réalité, ils te proposent des solutions. Des solutions qui, curieusement, impliquent toujours plus de contrôle sur ta vie. Ce système ne fait que ça. Pour eux, les solutions, c'est toujours plus de restrictions ou de taxes. Mais ce n'est pas parce que c'est la seule chose qu'ils te proposent que c'est la meilleure solution. Évidemment que tu peux faire des efforts pour l'environnement. Mais ce que propose l'État, c'est d'abord te contrôler et non pas réellement aider la planète. Tu sais, en possédant 50% des richesses de ce pays, qu'il goudronne quelques nationales et sonde les vieux, c'est la moindre des choses. Pour ce prix-là, il pourrait payer 10 fois tes retraites, 100 fois tes routes, rendre l'école vraiment performante et même assurer ta sécurité pour de vrai. Mais tu ne le vois pas, ou plutôt, tu essayes d'oublier. Tu applaudis les intentions, mais tu ignores les résultats. Tout ce qu'il sait faire, c'est dépenser, promettre et parler. Ah oui, aussi, si, se goinfrer de ta crédulité et du temps que tu lui as cédé. Ça suffit parce que tu le crois. Il peut tranquillement accuser la crise, les USA, la Chine, la Russie ou même les inégalités. Il sait que tu n'imaginerais pas une seule seconde qu'un monde où les citoyens sont libres et responsables, où chacun s'occupe comme il entend de sa retraite, de ses routes et de sa sécurité, est possible. Tu te caches, soudé, il ne faut pas être individualiste, il faut penser aux autres. Derrière la noblesse de l'altruisme. Mais cette attitude est une forme d'échappatoire. Tu te caches derrière cette maxime pour éviter de te confronter à tes propres besoins et tes propres aspirations. Parce que est-ce que l'idée d'agir par toi-même et de penser dans ton propre intérêt te met mal à l'aise ? Crains-tu d'être fiché d'égoïste que tu en oublies de prendre soin de toi-même ? Il ne s'agit pas ici de prôner le narcissisme, bien au contraire. Il s'agit de souligner l'importance de l'équilibre. Penser à soi-même n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation, de respect de sa propre personne. Parce que tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas. Tu préfères recourir à un abominable monopole obligatoire facturant 10 fois son prix pour ne faire que la moitié, en imposant au passage sa morale, sa vérité et son idéologie. C'est tout de même bien fait, lui seul est légitime, le reste étant fake news ou complotisme. J'empêche la haine, te dit-il, la pauvreté et la guerre, je prêche la diversité, la tolérance et l'amour. Je dénonce les privilèges, je défends l'opprimé et je combats les inégalités. Je détiens le monopole de la vérité. Je récompense les mieux endoctrinés. J'appelle culture ce bain idéologique que je t'impose. Pour ton bien, je te dis qui tu dois être, comment tu dois agir, comment tu dois penser. Qu'on soit clair, l'État n'est pas là pour les Français. Il ne fait que remplir les directives de la Commission européenne et surtout s'en mettre plein les poches sur le dos de ses contribuables, c'est-à-dire toi. Ce n'est qu'une question d'argent et de garder le pouvoir. S'il est si reconnu que les politiciens mentent pour te faire espérer, mais
qu'une fois au pouvoir, plus rien n'est fait, c'est pour deux raisons très simples. La première, c'est que s'il fait bouger quelque chose, il perdra en popularité, perdra en opportunité et ne pourra pas accéder aux fortunes espérées. Et la deuxième, c'est que quand bien même il essaye, le politicien n'est pas seul. Il est entouré d'autres personnes qui veulent le voir tomber et ils y arriveront sûrement. La vraie faute ici est de l'avoir laissé tes responsabilités, l'avoir laissé le droit sur tes retraites, l'avoir laissé le droit sur comment éduquer tes gamins, sur comment doit être gérée la justice et le système de santé. Aujourd'hui, tous sont en crise, tous subissent ses conséquences. Mais la France n'est pas gangrénée que par son administration, mais aussi un virus extrêmement dangereux qui a réussi à te contaminer, le virus de l'esprit. Aujourd'hui, la société veut te faire culpabiliser, qu'importe ta couleur de peau ou ta nationalité. Tu dois t'excuser d'être blanc, éternel oppresseur et bourreau des minorités. Tu es fils d'esclavagiste, pour peu que seulement 1% des blancs l'étaient il y a plus de 300 ans. Notre passé historique, okay. Du coup, qui est misogyne, comme ça, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça. Tu dois t'affaiblir, tu dois te montrer plus bas que terre, et peut-être que tu seras pardonné. Tu es racisé, tu es alors une éternelle victime. On doit te montrer de la pitié. Attends, mais tu as entendu ce que j'ai dit? C'est quoi ce terme racisé pour parler de toutes les personnes qui ne sont pas blanches? Cette bien-pensance qui crée au racisme fabrique des termes pour mettre tout le monde dans une case, qu'importe ta nationalité, ta couleur de peau ou même ta culture. C'est pas ridicule? Parce que tu n'es pas racisé, tu es noir, tu es blanc, tu es musulman, tu es arabe, tu es africain, tu es asiatique. Tout comme moi, je suis blanc et européen. Pourquoi inventer des termes? Cet Occident juge meilleur de remplacer ses personnages blancs par ta couleur de peau que de créer de nouveaux personnages vraiment originaux et uniques qui te représentent. Ou même simplement représenter ta culture et tes traditions. C'est une idéologie purement égoïste qui se donne des airs d'altruisme mais se préoccupe plus à se donner une bonne image et se faire bien voir que de vraiment mettre en valeur ta religion, ta culture et tes traditions. Sous prétexte de combattre le racisme, cette idéologie continue d'enfermer tout le monde dans des cases. Ils préfèrent t'utiliser pour jouer Achille, Cléopâtre, la reine d'Angleterre, un viking, plutôt que de faire des œuvres qui glorifient ton histoire, tes mythes et tes traditions. À vouloir réduire le racisme, ils nous enferment tous dans des cases qui nous éloignent au lieu de simplement nous réunir. Tu es homme, tu n'as pas de chance. Cette société a décidé de t'émasculer, de faire passer tous tes traits virils comme vil. Tu dois maintenant laisser ta place à la femme. La femme est le nouvel homme, et toi tu es quoi? Tu es rien. Cela te laisse deux choix, soit être le nice guy, le simp, lécher des pieds d'une femme trop bonne pour toi pour qu'elle t'autorise à traire ton porte-monnaie en échange d'un peu d'attention. Soit être le parfait connard, le mal alpha qui baise sans émotion pour collectionner les femmes sur son tableau de chasse. Et ne te crois pas épargné si tu es une femme. Au contraire, plus cette société évolue, plus tu te retrouves itinérante, sans repère. Parce que la féminité, la loyauté, la beauté, la douceur, la passion sont perçues comme une soumission au patriarcat. Tu te dois de récupérer les traits des hommes. La féminité est devenue la vulgarité. Et toi qui n'as pas eu la chance de te photoshopper, tu te retrouves à te comparer, à te trouver pas assez bonne, à avoir des cheveux pas assez ondulés, à être trop maigre ou trop grasse. Pour exutoire, on te fait croire que si tu veux t'émanciper de cette toxicité, tu dois t'enlaidir, te raser les cheveux, te colorer, devenir moche pour dire que la beauté est à l'intérieur et critiquer ensuite les hommes de ne plus vouloir de toi. On en vient à glorifier l'obésité et à stigmatiser la santé. Tu m'expliques dans quelle société on te considère comme superficiel d'aller t'entraîner 5 jours sur 7, de faire attention à ton assiette, à te surpasser sur chaque série ou chaque répétition, alors qu'à côté, on en vient à trouver des termes comme grossophobe pour définir une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, à préférer s'empiffrer et se vautrer dans le confort, et ensuite essayer de te faire culpabiliser parce que toi, tu as choisi la voie de la difficulté, celle de l'épreuve, celle du dépassement de soi, en arrêtant de te trouver des excuses. Tout ce que cela crée, c'est de la division. Tu te dis que je fais des généralités et tu as raison. Après tout, le monde n'est que cliché, plus tu essaies de les dissiper et plus ceux-ci partent dans les excès. Et tout ça, c'est une idéologie de la destruction. Destruction de la stabilité familiale. Depuis quand la fidélité et la loyauté sont des qualités et non plus des évidences? Destruction de la sexualité et de l'intimité, la réduisant à une simple marchandise. Pour une société qui veut s'éloigner le plus possible de notre condition d'animal, c'est le comble de glorifier une économie de bouts de viande sur un étalage. Destruction de l'amour. Ils commercialisent nos sentiments et jouent sur notre détresse pour soutirer toujours un peu plus de notre temps et de notre argent. Destruction de la culture. Ils se moquent de nos traditions, renient notre histoire, la fait passer pour une période de système patriarcal, colonial, raciste qu'il faut oublier. Destruction de la fraternité. Il a fait de la diversité et du vivre ensemble une source de division. Il force plusieurs cultures à cohabiter, tandis que lui observe la scène depuis le haut de sa tour d'ivoire. Il contemple le chaos qu'il a orchestré, satisfait de l'agitation qui règne en bas. Il jouit de la discorde, se réjouit des conflits, se délecte de la division, car pour lui, c'est le signe de son pouvoir et de sa domination. Ce système entier vit sous ses contradictions. Sous couvert de bien-pensance, il t'impose des décisions et tu dois en subir les conséquences. Et il déforme la réalité pour ses propres intérêts. Il ne rassemble pas sous la même bannière, il divise pour mieux régner.
gagner. Un peuple soudé est un peuple éduqué, tout ce qu'il essaye d'éviter. Écoute, cette classe ne veut pas entendre ta voix, elle ne veut pas que tu donnes ton avis. Ce qu'elle veut, c'est que tu te plies à la morale commune, aux idées à la mode, ce qu'elle a décidé de bien et ce qu'elle a jugé comme mal. Ce qu'elle veut, c'est ta soumission, ta conformité, ta révérence aveugle à son idéologie. Si tu t'écartes de sa ligne, elle te réduira au silence. Diversité, inclusivité, appropriation culturelle dans tes prochains Disney, dans tes cours d'école et dans les discours politiques. Des mots transformés en armes, en instruments de contrôle et en méthodes de coercition. Tu n'acceptes pas ? Tu es raciste, machiste, homophobe, transphobe, fasciste. Elle utilise tous ces termes pour te discréditer, te marginaliser et t'ostraciser. Toi qui oses penser différemment. Reductio ad Hitlerum. Réduire à Hitler. Si tu n'acceptes pas, c'est que tu es sûrement un nazi. On doit alors te bâillonner. Tout le monde pense, mais personne ne fait rien. Pourquoi ? Car la peur te paralyse. La peur empêche n'importe qui de faire quelque chose en dehors du conventionnel. La peur du jugement, la peur du rejet, d'être trop différent, et donc d'être rejeté par le groupe, rejeté par ta famille, jugé par tes amis, dévisagé par les étrangers. Il vaut mieux rester dans le confort, dans la recherche de la sécurité, de la stabilité comme elle nous est vendue, même si cela implique ne pas être heureux, car ça ne te convient pas. Tu pourrais être laissé tranquille, tu ne vois que l'ennui. Où est passée ta vie ? Où est passé l'amour ? Tu ne dois être qu'un monsieur tout le monde, tu avances, tu tombes, tu as jeté l'éponge. Parce que tu crois avoir encore un pouvoir dans la balance, tu te berces d'illusions que tu peux déclencher une révolution, renverser l'ordre établi et changer le cours des choses. Tu les vois tous ces jeunes parler de révolution pour 2 ans de plus à trimer. Les mêmes qui aujourd'hui vont s'indigner sur Twitter, les mêmes qui ne veulent pas travailler. Ils se branlent au lieu de lire et ils consomment au lieu de produire. Et tu as les lésés, ceux qui ont espéré d'un état fatigué et qui se sont retrouvés trahis. Ne te trompe pas, cette révolution dont ils parlent n'est rien de plus qu'un fantasme. Une vraie révolution requiert du courage, de la détermination, de l'effort et du sacrifice. Elle requiert de laisser de côté les plaisirs immédiats pour se consacrer à une cause plus grande. Mais soyons honnêtes, tu ne veux pas de guerre, tu ne veux pas de violence, tu ne veux pas de mort, car le premier qui mourra, c'est toi, ta famille, tes amis. Parce qu'aujourd'hui, qui peux-tu défendre ? Qui peux-tu sauver ? Quelles sont tes armes ? Tes poings ? La vraie bataille n'est pas celle qui se joue avec des armes, mais celle qui se joue dans les âmes. Et ça, ton oppresseur le sait très bien. Les manifestations des retraites ont beaucoup plus servi l'État qu'elles l'ont fait trembler. C'est dans les esprits qu'il gagne, c'est dans les esprits que tu dois le tuer. Aujourd'hui, la France est divisée et presque impossible à réconcilier. Pour la faire changer, ce qu'il faut, c'est inspirer le changement, inspirer l'alternative qui gagne. Être l'avant-garde d'un nouveau courant de pensée, ou plutôt faire renaître le courant de pensée qu'avaient nos ancêtres français. Recréons des communautés et soyons soudés. Développe des compétences, je développe des compétences. Il développe des compétences et on pourra tout mutualiser. Chacun de nous a des compétences uniques, des talents qui peuvent être mis à profit pour le bien de tous. En partageant ces compétences, en les mettant en commun, nous pouvons faire une différence. Si tu veux changer quelque chose à grande échelle, il faut déjà s'attaquer à la petite échelle. Et là où tu as le plus gros pouvoir de changement, c'est toi-même. Le changement commence par une prise de conscience individuelle, puis se propage à ceux qui nous entourent. Ne fais plus confiance à ceux d'en haut, tu as assez donné, il faut arrêter les frais. Tu es libre d'espérer, d'ignorer comme tout le monde le signe du chaos qui vient, de confier ton avenir à des gens comme Macron. Tu voteras avec plaisir pour celui qui t'en ment le mieux, le plus crédible, celui qui incarne le changement, celui qui peut faire bouger les choses. Continue d'espérer, continue et ton enfant finira dans les faits divers. Mais si tu désires une vie normale, dans une petite maison pavillonnaire, et tu te fous du mal que peut faire cette idéologie, continue, tu es sur la bonne voie. Je ne te retiens pas. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. Goebbels. Ou tu peux prendre le risque de l'amour propre. Comprendre que renoncer à tes responsabilités, c'est renoncer à vivre. Autrement dit, entre ses mains, tu te laisses mourir à petit feu, accumulant petite concession sur petite concession jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien sauf de la frustration. Je parle ici aux hommes et aux femmes qui veulent plus de leur vie, qui veulent bouger, voyager, faire ce qu'ils veulent de leur temps, réaliser leurs rêves, pouvoir réellement vivre le temps qu'ils ont sur Terre. Sa chute est proche, et le jour où elle arrivera, tu comprendras que civiliser voulait dire désarmer. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'en continuant de lui accorder autant de pouvoir sur ta vie, qu'il s'effondre ou qu'il agonise lentement, cette chute est d'abord la tienne. Tu te retrouveras soit instantanément sans défense, sans armes, sans échappatoire. Ou tu vivras chaque jour en voyant tout autour de toi s'effriter et bien sûr n'avoir aucun contrôle sur ce qu'il se passe autour de toi. Parce qu'aujourd'hui tu n'as même pas le contrôle, tu n'as pas perdu, tu ne l'as jamais eu. C'est à toi de reprendre ce droit, de reprendre cette voie. Celle du contrôle, de contrôler ta vie, contrôler tes mouvements, contrôler tes revenus, contrôler ton physique, contrôler ton environnement. Quand la France se meurt, que faisaient nos ancêtres ? Ils ont recommencé de zéro. Ils ont recréé des communautés. Abandonne l'État et ses sbires et devient mobile. Mobile veut dire avoir les capacités de fuir, avoir les capacités de se défendre aussi. Tu peux aimer profondément ton pays, aimer sa culture, aimer ses traditions, mais ça ne t'empêche pas d'être mobile, de te créer des options et des portes de sortie. Parce que même si tes terres sont ravagées, tant que cet amour reste dans ton esprit, il ne meurt pas. Commence alors par retrouver ta liberté. C'est elle qui te permet de reprendre le contrôle de ta vie, de choisir
ta voix et de décider de ton destin. Et la liberté n'est pas une, elle est cinq. Cinq formes, cinq aspects, cinq facettes qui s'entrelacent et se complètent pour former un tout. La liberté financière, c'est le pouvoir de décider par toi-même comment utiliser ta richesse sans te soumettre à la volonté d'une autre entité. C'est la possibilité de travailler pour toi, financer tes rêves et non pour enrichir un autre. La liberté temporelle, c'est le pouvoir de disposer de ton argent comme tu l'entends, sans être enchaîné par les contraintes d'un patron, d'un emploi ou d'une routine. C'est le droit de choisir quand travailler, quand te reposer, quand jouer, quand créer. La liberté géographique, c'est le pouvoir de choisir où tu veux vivre, sans être contraint par des frontières, des murs et des lois. C'est la mobilité de pouvoir dire « va chier » si ce qu'on te fait ne te convient pas. L'État a peu de pouvoir sur toi si tu peux t'en aller. La liberté physique, c'est une honte qu'un homme vieillisse sans jamais voir la beauté et la force dont son corps est capable, disait Socrate. Félinise-toi, améliore ton cardio, deviens plus fort, occupe-toi de ta santé, ton corps est ton temple. Si tu ne l'entretiens pas, tu seras toujours frustré. Et enfin, la liberté psychique, c'est le pouvoir de penser par toi-même, sans être manipulé par des idéologies, des croyances et des dogmes. Tu dois questionner, douter, te méfier, chercher, forger des valeurs et des convictions fortes. C'est là que tu dois commencer, c'est là que tu dois te battre. Car sans ces libertés, tu n'es qu'un esclave. Avec elles, tu deviens un homme libre. Alors ne te contente pas de rêver de liberté, lutte pour elle. Car la liberté n'est pas un droit, c'est un devoir. Le premier pas, le saut initial, c'est la liberté financière. Car dans ce monde où l'argent est le nerf de la guerre, où le pouvoir est synonyme de richesse, la liberté financière est ton bouclier et ton épée. L'argent est une simple ressource. Elle est en abondance à ceux qui ont compris comment la récolter. Travailler pour créer des sources de revenus plus puissantes qu'un emploi te permettront de pouvoir l'utiliser à bon escient. Sans elle, tu restes esclave de tes créanciers, de tes patrons, de ceux qui détiennent le pouvoir. Tu travailles 5 jours par semaine pour 2 jours de liberté en week-end pour te maintenir dans cet état, mais pourquoi? Pour enrichir les poches de ceux qui te tiennent en laisse, ceux qui te dictent quoi faire, quand le faire et comment le faire? As-tu vraiment le choix si tu dois travailler dans un emploi que tu détestes simplement pour nourrir ta famille, pour payer tes factures et pour survivre? As-tu vraiment le choix si chaque centime que tu gagnes est déjà dépensé avant même que tu l'aies touché? Non. La liberté commence par la liberté financière. Elle commence par la capacité de gagner ton argent par toi-même, à décider de tes revenus et à investir dans tes rêves et non dans ceux d'un autre. Tu peux te persuader que tu n'as pas besoin d'argent pour être libre. Mais sache que ton chemin sera beaucoup plus difficile. L'argent te permet d'acheter le temps qu'il te manque. L'argent te permet d'aller plus vite. Il te permet d'accéder aux ressources dont tu as besoin. Alors commence par là. Apprends à gérer ton argent, à générer de l'argent, à le faire travailler pour toi et non l'inverse. Apprends à épargner, à investir, à diversifier tes revenus. Ne dépend plus d'un seul emploi, d'un seul patron ou d'une seule source de revenus. Car la liberté financière n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de pouvoir, de contrôle et de dignité. C'est la possibilité de choisir ta vie, de réaliser tes rêves, de vivre selon tes propres termes. C'est là que commence la vraie liberté. Qu'on soit clair, tu as besoin d'argent aujourd'hui et si tu te persuades du contraire, je donne pas cher de ta peau. Si tu veux aider ton prochain, commence d'abord par t'aider toi-même. Si tout le monde s'inquiétait un peu plus de son avenir, on aurait plus de gars compétents pour s'entraider et aider les autres. Aujourd'hui, l'État est bien trop puissant et ses sbires reprogrammés ont trop peur pour s'en détacher. Son idéologie est partout, son poison est mortel. C'est dans les esprits qu'il faut se battre, il faut inspirer le changement, inspirer la réussite, s'entraider, devenir la meilleure version de soi-même pour que son entourage devienne plus fort. Ce n'est plus une question de défendre uniquement des terres, c'est une question de défendre des convictions. Des terres peuvent être récupérées, mais un esprit brisé est un esprit condamné. L'argent ne fait pas tout, l'argent est la première étape, c'est tout. La suite, c'est à toi de juger, de jauger ce que tu dois faire. Mais pour libérer un peuple, tu dois d'abord te libérer. Tu peux fortifier tes murs, rejoindre et consolider la cohésion des communautés qui te ressemblent. Apprends à vivre en homme libre, sans esclave. Tu dois savoir cuisiner, tu dois avoir des notions de bricolage, tu dois pouvoir vivre par toi-même. Ai-je raison? Ai-je tort? Suis-je seulement un pseudo-gourou d'internet qui utilise la manipulation et la peur? À toi de penser ce que tu veux, à t'imaginer ce qui t'arrange. Tout ce que je cherche à faire avec cet essai, c'est te chambouler. Qu'une fois que tu auras fermé YouTube, tu te mettes à tout questionner. Parce qu'aujourd'hui, la chose la plus importante pour toi, c'est ta vie. Ce que tu décides d'en faire. Comment tu décides d'utiliser ton temps, tes ressources et ton esprit. Le plus important, c'est de vivre, et non plus survivre à l'agonie en attendant ton tour. C'est d'être responsable de ta vie, de tes émotions, de ton environnement, et pouvoir les changer en conséquence. C'est pouvoir fonder une famille, créer des projets, vivre ta vie pour la finir avec le sourire aux lèvres. C'est arrêter de vivre par procuration, à travers des écrans qui te dictent comment penser, comment te comporter et qui te sapent toute ton énergie. C'est de ne plus te laisser dicter ton humeur par la météo, par l'actualité, par les commentaires d'un inconnu sur internet. C'est de ne plus te laisser emporter par le flux incessant de négativité et de pessimisme qui envahit chaque coin de notre société. C'est de ne plus attendre que la chance te sourie, que les opportunités tombent du ciel, que quelqu'un d'autre vienne résoudre tes problèmes. C'est de prendre l'initiative, de prendre des risques, de prendre des décisions, même si elles peuvent sembler difficiles ou effrayante. C'est de ne plus te cacher derrière des excuses. C'est être libre, libre d'exister, libre de vivre. Et lorsque tu atteins ce niveau de liberté, tu découvres une joie,
une paix, une satisfaction que rien ne peut égaler. Tu découvres une force, une résilience, une énergie qui semble inépuisable. Tu découvres une sérénité, une confiance, une assurance qui te permet de vivre pleinement ta vie. Car tu ne dois pas prier pour une vie facile, mais avoir la force d'endurer une vie difficile. On t'a fait croire que tu pouvais avoir une vie sans problème. Mais une vie sans problème, c'est aussi une vie sans saveur et sans bonheur. C'est une vie que tu passes à répéter le même schéma qu'on t'a inculqué sans questionner s'il t'est adapté. C'est une vie à rester dans le confort, dans l'illusion de la sécurité et la fausse paix qu'elle te procure. Tout en sachant au fond de toi que ce n'est pas une véritable vie, mais une existence insignifiante. Une vie à éviter tout défi, à fuir toute difficulté, à renoncer à toute ambition, sous prétexte de tranquillité et de facilité. C'est une vie où tu es constamment à la recherche du moindre effort, de la moindre contrariété, du moindre risque, tout en te plaignant de ton ennui, de ton insatisfaction, de ton manque d'épanouissement. C'est une vie où tu n'oses pas rêver, où tu n'oses pas espérer, où tu n'oses pas entreprendre, parce que tu as peur de l'échec, de la déception et du jugement. C'est une vie où tu te résignes à être une victime, où tu te résignes à être un spectateur, où tu te résignes à être un perdant, parce que tu penses que tu n'as plus le choix, que tu n'as pas le contrôle, que tu n'as pas le pouvoir. Mais c'est dans la difficulté que tu trouves ton véritable toi. C'est là que tu découvres la joie, la liberté, l'épanouissement de vivre pleinement. Maintenant, voici qui je suis. Je suis Louis Esquier. J'ai 22 ans et je n'ai pas vécu dans la pauvreté. Et je n'ai jamais fait de dépression. Et je n'ai pas quitté HEC et tout plaqué pour devenir entrepreneur. Je suis pas non plus passé d'étudiant fauché à millionnaire à succès. Je suis un garçon, tout ce qu'il y a de plus banal, qui était gros à son collège, qui était accro à Minecraft et League of Legends, et qui un jour s'est dit qu'il allait arrêter de se sentir comme une merde pour bouger son cul. J'ai des rêves simples. Je veux un chalet, un potager, une belle femme, élever des enfants et leur transmettre mes valeurs et mes passions, monter un restaurant et d'autres petits projets. J'ai une famille relativement normale avec son lot de problèmes familiaux. Et simple enfant des contrées, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est construire une communauté. Plus que ça, c'est créer, c'est échanger, c'est accompagner des gens pour qu'ils gagnent leur liberté et qu'on soit ensemble un grand groupe qui peut ensuite inspirer encore plus de monde. On peut ne pas partager les mêmes opinions, mais on a une vision commune. Comme je te l'ai dit, si tu veux regagner toutes tes libertés, commence par la liberté financière qui te permettra d'acheter tes autres libertés. Et je vais t'aider dans cette mission avec la prochaine vidéo ainsi que mon accompagnement qui te montreront exactement comment faire à notre époque pour t'enrichir. Je commence par créer une communauté autour de ce même idéal de liberté financière car cela me correspond. De ton côté, monte en compétence, forme-toi, cultive ton corps, reprends tes armes. Et ne pense pas parce que j'ai quelque chose à te vendre, ça remet en cause toute cette philosophie. Au contraire, elle est en parfaite harmonie avec elle. Nous sommes dans un monde capitaliste et de libre-échange. Ça veut dire quoi alors cette mentalité de faire le choqué quand quelqu'un vend un produit? Tu peux critiquer si tu n'y trouves pas la qualité, mais sinon tout ce que tu fais, c'est te ridiculiser. Bien sûr que je veux gagner de l'argent, mais ce que je veux aussi, c'est apporter de la valeur à mes clients. Je vais rentrer en détail dans le prochain épisode sur comment construire ta liberté financière en fonction de ton niveau. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je cherche à faire, c'est réaliser mes projets. Et tu devrais en faire tout autant. C'était Louis et on se retrouve au prochain épisode. Ah, vous êtes encore là derrière cet écran noir. J'aimerais donc terminer cet essai par faire un crédit. Faire un crédit à un livre qui m'a accompagné lors de l'écriture de cette vidéo, qui m'a aussi accompagné lors de l'écriture de la première vidéo en janvier. Et j'aimerais sincèrement créditer cet auteur qui m'a beaucoup inspiré et dont j'ai tiré beaucoup de passages de son livre. Cet auteur, c'est Laurent Oberton et de son livre L'éloge de la force. C'est un livre de développement personnel où il utilise à peu près le même style d'écriture que comme moi j'ai pu parler dans cet essai aujourd'hui. Et dans la première partie de cette vidéo, j'ai tiré des passages de son livre. Alors je vous conseille vraiment de lire cet auteur qui est très intéressant. Et si vous voulez commander son livre, je vous mets le lien de son site en description. Vaut mieux le commander sur son site que sur Amazon. Comme ça, il pourra avoir un peu plus de marge. C'était Louis, à très vite au prochain épisode.